Bonjour, Ismaël, j'ai 36 ans déjà. Eh oui, ça avance vite. Et ben, je suis comédien, improvisateur et humoriste. Alors, mon parcours assez classique hein, pour un humoriste, hein, finalement des blagues avec des potes, puis des blagues sur scène pour des potes, puis après des blagues pour des gens qui sont pour mes potes. Voilà. Ça a un peu été ça mon parcours. Pas mal d'impro un peu partout dans la francophonie. Hein. Tu peux en France, en Suisse, en Pas Belgique. parce qu'on est petit qu'on peut pas aller jusqu'au plafond. Et le plafond aussi, vous allez me l'attendre. Hein? Les uns sur les autres, ils font. Je m'en fous. Je vous ai acheté de la peinture bio. Premier qui me dit que ça pue, je le fous dedans. Je ne ressors jamais. Comment je suis venu à l'improvisation? Ben, c'est un pote qui me... C'est toujours une histoire de pote. Hein. Moi, ma vie, c'est un peu ça. Mes amis sont toujours proches de moi. Et c'est un ami qui m'a dit, tiens, il faudrait que tu viennes voir un truc. Je suis sûr que ça va te plaire. Puis effectivement, ça m'a plu. Direct. J'ai aimé ça. J'ai l'impression de me sentir à l'aise là-dedans. Voilà. Du coup, j'ai embrayé, j'ai continué. J'ai continué. Public, pour l'instant, me suit. Donc, pour l'instant, je continue. Mais est-ce que je vais continuer? C'est un suspense. On peut le dire, mon parcours n'est pas encore fini. Enfin, je débute encore. Sortez de ma gamme. Ouais, vous sentez toute chose, c'est normal. Comment vous vous appelez? Sandrine? Joli prénom. Un peu un vieux prénom d'antan, mais...